sont plus durs que les que le truc normal, quoi. C'est abusé. Est-ce que j'ai reçu des trucs? Ça me dit pas, si, non, nouvelle annonce. Livraison espace-temps, j'ai vraiment rien. On va aller voir quel est le boss actuel. Ok, Bardock. Et coucou YouTube du coup. J'ai oublié de vous dire bonjour. Aujourd'hui du coup nous terminons les quêtes parallèles. Yo coffre. Quitte à avoir une mauvaise note, hein, mais on s'en fout. Tout ce que je veux, c'est les terminer. Comme ça on pourra pas dire que je les ai pas faites. Parce que bon, il en reste 22. Non, 21, parce que la dernière je l'ai déjà faite. 21 quêtes. Normalement en 3 heures c'est plié. Donc pour vous, en 4 épisodes, allez. J'ai quelle attaque? Super Vegeta, rayon mortel de l'empereur. Merde. Je voulais m'enlever le... la notice de mon perso. Ah, je suis revenu en arrière, putain. Et le temps de chargement dure des plombes. Toujours. Ah, vous avez vu, pour ceux qui sont là sur YouTube, n'hésitez pas à dire en commentaire, mais vous avez vu le gameplay de Dragon Ball Sparking Zero. Oh, génial. C'est du Tenkaichi Budokai tout craché, mélangé à du Raging Blast. Oh, c'est énorme. Alors, nous aurons en allié telle puissance max super méchant, et... Alors là, fallait le faire. Non, je crois qu'il nous faut Ginyu. Ginyu no Sentai Taichō. Il faut Ginyu parce que c'est notre prof. D'ailleurs, est-ce que je l'ai? Je crois que je l'ai pas repris en tant que prof. Merde. C'est étonnant qu'on n'ait pas la C21 bout. Parce que C21, c'est un cyborg qui a été formé après le combat de Bou, en fait. Donc un cyborg avec les gènes de Bou. Pourtant, on n'a que sa forme humaine. Alors là, la forme qu'ils ont, Krillin et Goku, c'est leur forme dans Dragon Ball. Merde. Comment il s'appelle le jeu? Dragon Ball Fighter V. Faudrait que je le fasse, Dragon Ball Fighter V, d'ailleurs. Juste pour l'histoire, pas pour le versus. Parce qu'on a l'histoire, on a trois histoires. Histoire côté méchant, histoire côté C21 et histoire côté gentil. Il est mort, Krillin ? Non, il est pas mort.
Je sais pas combien de temps il faut à Goku pour se régénérer. Du coup, faut savoir que c'est des cyborgs, ça. C'est des cyborgs créés par ses vampires. Cyborg de Piccolo, cyborg de Goku, cyborg de Vegeta, tout ça. Ah, parce que Dragon Ball FighterZ, on... Quand on pense à Dragon Ball FighterZ, on pense à... Elle est inesquivable, cette attaque, pratiquement. On pense à un versus la Mortal Kombat, mais il y a une histoire derrière. Enfin, Street Fighter, pardon, mais il y a une histoire derrière. Même si c'est pas la plus fameuse des histoires. Il reste une histoire innovante. Par rapport à ce qu'on bouffe dans Dragon Ball. Parce que dans les jeux Dragon Ball, d'habitude, on se bouffe tout le temps, bah la même histoire. On se prend pas à Raditz, on finit par Bou. Et on a des histoires supplémentaires. Et on a des histoires supplémentaires après. Au bon vouloir des devs. Dragon Ball Xenoverse n'est pas à la règle. On a l'histoire de Raditz, tout ça, jusqu'à bout. Et ensuite, bon, il y a Dragon Ball Super qui est arrivé, donc on a eu l'histoire de Dragon Ball Super. Mais notez qu'on n'a pas eu d'histoire de Dragon Ball GT. Ça gêne. C'est vrai que ces 16, c'est l'allié de ces 21. Normalement, ça c'est l'attaque auto-destruction. Il est censé perdre toute sa vie quand il fait ça. Du coup, je sens que j'ai pris Ginyu mais que j'ai oublié de le remettre en professeur. Attendez un pas de ma connerie. Merci pour le follow, Rogi. Bienvenue à toi. Reste à toi, mets-toi à l'aise. Mets-toi bien. Nous sommes en train de faire les quêtes parallèles. Jusqu'à la dernière. Nous en sommes à la 141 ou 140 et quelques. Ses esprits. ありがとうございます。正気に戻ることができました。今後私はまた悪に支配されるかもしれません。もしそうなってしまったら、あなたが私を止めに来てくれると信じています。その時はよろしくお願いしますね。 C'est Goku, mon professeur. Ça m'étonne pas, je l'avais pris pour l'histoire avec Fou l'autre fois.
J'ai oublié de remettre Ginyu. On va aller chercher Ginyu tout de suite. Parce qu'il faut que je l'augmente de niveau. Yo, coffre. Zone Namek. Ginyu, il est où? Il est là. C'est Doria. Ah, mon Ginyu. Me semble que c'est lui hein, qu'il me faut. Ouais, c'est ça. Ginyu, c'est le seul que j'ai pas monté. Parmi les premiers. Il me reste beaucoup à monter, mais. Ça, c'est une autre histoire. Il me reste des trucs comme ça à faire? Le mal absolu numéro 18. Ah, je savais pas. On s'y penchera peut-être après, du coup. Je sais que normalement, ça s'arrêtait au numéro 16. Ça veut dire que j'ai déjà fait le 17. Ou le 17, c'est avec Goku. Super Saiyan Blue. On les fera peut-être après. Yo, coffre. Le défi ultime de Oob. Combat tous les méchants de film. Comme d'hab, on nous prend nous. On prend Ginyu. Et un au hasard qui sera Janemba super méchant. Et je pourrais prendre deux Ginyu pour que ça monte beaucoup plus vite. L'amitié. Mais c'est pas amusant. Alors que prendre un perso au hasard, c'est très amusant. Déjà, j'aurais aimé prendre deux persos au hasard. Faut bien augmenter le niveau des alliés. Y a pas de. Pas trop l'heure, non. Ok. Pour les patrouilleurs, je regarde d'abord leur niveau. S'ils sont niveau 120, c'est pas la peine d'essayer de les affronter, on aura une mauvaise note. Donc bon. Je suis plus à ça près. Merde, je vais me transformer. Ginyu. Non, c'était ouf ça. Oob qui a défoncé cette junior. La musique de héros. J'aurais dû mettre ma tenue de super héros. En Slipman. Trop petit. Et voilà celle. J'espère que dans Sparking Zero, il n'y aura pas ce souci de musique qui s'arrête dès qu'on n'est plus sur l'ennemi, qu'on est trop loin. Ah,
私を助けろ、セルジュ。いやー、どうしよう、どうしよう。Il y a un truc qui se fait quand on bat Cell avant Cell Junior. Tel qui supplie son fils de venir l'aider, son fils qui ne sait pas quoi faire. Ensuite, on passe à qui ? Je les trouve un peu sombres, ces portails. この辺りに師匠を倒そうとしているやつがいるらしいです。そいつを倒すのが二つ目の修行内容になります。あ、すごい木がこちらに向かってくる。Metal couleur. この戦いで決めるな。宇宙で一番強いものがな。雑にしてはよくやったと褒めてやろう。貴様の力、侮りすぎたようだ。だが、この俺に勝つなどありえんのだ。見入ったぞ。くっ、なんて強烈な攻撃なんだ。ビッグベティスの科学力で蘇ったこの俺が。ダダダダダダ。なんだ貴様、俺様の邪魔をするやつは何者であっても容赦せんぞ。ギニューよ、フリーザなんぞに使えるよりも俺の気候センターに入ったらどうだ。クーラ様ご冗談がお好きですな。C'est vrai que les forces de Freezer et les forces de couleur ne sont pas forcément amies. Non pas couleur forme finale avant les couleurs métal. Et ce qui fait une réaction comme celle avec Cell Junior. それももう終わりだ。修行の成果が出ているようだな。いいぞいいぞ。ギニュー、tu me félicites sur mon entraînement. Du coup, couleur qui n'a pas fait de commentaire sur Metal Couleur. Très bien. Le Keumat.Comment ça va ? Oh, il s'est ramené comme ça. Et quel Broly ? Ah, c'est le Broly. Super. Je reviens de soirée. Seulement maintenant ? Tu t'es pas couché du coup ? Ah, c'est pour ça qu'à 2h tu dormais pas ? Non.修行は取りやめにして、すぐに奴の暴走を止めましょう。かなり厳しい状況になりますが、一緒に力を合わせ戦えば勝てると思います。
a un peu dormi et ouais, c'est pour ça. Ah, d'accord. Putain, je me demandais. J'ai lu le scan 1111. Déjà, ce que tous les gens disaient sur... Qui a dit que ça va être sur Zoro? Ah, tout le monde. Tout le monde disait que ça va être sur Zoro parce que 1111, c'est le chiffre fétiche de Zoro. Et coucou Arco. Parce que Zoro est né le 11 novembre. Et du coup, tout le monde disait ça va être sur Zoro, ça va être sur Zoro. Et du coup, tout le monde est déçu que ce soit pas sur Zoro. Ça me fait mourir de rire. Les gens spéculent, ils s'attendent à ça. Et du coup, ils sont déçus quand il y a. Quand il n'y a pas leur truc, quoi. Ils ont créé eux-mêmes propre. Mais oui, c'est ça, ils ont créé eux-mêmes leur propre déception. Ça c'est une musique de héros. Du coup, j'espère que vous allez bien, sinon. Que ta soirée s'est bien passée. Que Arco, il ne soit pas pris un autre coup de balle. La main à la forme. Bon, du coup, aujourd'hui, hein, pour ceux qui avaient suivi le planning, j'avais dit que je ferais Palworld. Mais en y étant allé hier soir, après Fantasy Life, je me suis rendu compte qu'en fait, bah, on n'a plus rien à faire en fait dessus. Donc du coup, il n'y aura plus vraiment de live sur Palworld, je pense, à part les événements de guild, ou si j'ai vraiment un nouveau truc à faire. C'est cool, là demain je vais au cinéma voir le Royaume des Abysses que Alex avait vu. J'arrive vraiment plus à aller au cinéma perso. Devenu insociable à quel par rapport à ça. Mauvaise expérience, plusieurs mauvaises expériences d'affilée donc. Antisocial, tu perds ton sang-froid. Exactement. La petite infection, est-ce que c'est parce que tu prendrais pas tes médocs par hasard? Ou alors c'est juste les antidouleurs que tu prends pas, et tu prends quand même tes antibiotiques. Tes anti-inflammatoires plutôt.
ようこそ。Il canne dans l'espace. Attends. Je prends les antibiotiques. Ok. Il y avait un truc que je voulais voir quand même. Vu qu'on en est à un point du jeu où bon, j'ai pratiquement terminé le jeu, autant se mettre des bonnes capacités. On va se mettre en Super Saiyan Blue. Tant que j'ai pas de tissu nécrosé, je ne crie pas au secours. Réduit les dégâts subis. Technique à base de Kikuwa. Affaiblit la puissance. Mais... utilisation d'un Kamehameha. Kamehameha, la puissance, c'est des techniques à base de Kikuwa. C'est le mieux. Hop, on va enregistrer ce pré-réglage. Le pré-réglage du Super Saiyan Blue. On va voir ce que ça donne. Autant profiter de la transformation. Alors Ginyu toujours. Et au hasard nous aurons encore. Le hasard est bizarre aujourd'hui. Deux fois celle d'affilée, deux fois Janemba d'affilée. Énorme shitstorm sur Dragon Dogma 2 à cause des microtransactions. Qui l'eût cru ? Qui aurait cru que des microtransactions allaient faire chier les gens ? Fighting pose? Damn it! Kyo Toraleteva! Doda! Omae mo issori! Fighting pose! Nanda, some tokui so na tsura wa?これくらいでいい気になっているのか。人間としては大したものだ。守りがおろそかになっているぞ。怪我をしているではないか。
なんて強烈な攻撃なんだ。この仮面ライズに負けるわけにはいかんのだ。俺の力はこんなものではない。Rien ne change. Rien ne change. À cause des microtransactions dans le jeu, ou rien ne change dans ce monde de microtransactions. Alors, Super Saiyan Blue et le rayon de Freezer ne sont pas compatibles. Parce que dès que j'arrive à la fin du rayon de Freezer, ça me détransforme en fait. En général, on va dire. Ah, j'ai la voisine qui s'est mise à la flûte. De nouveau. Comme tous les samedis. あれを誰だと思ってるんだ。破壊神クシャドウ様だぞ。Monsieur Sommel Mathieu a parlé de se faire rembourser le jeu. Enfin, s'il l'a acheté sur Steam et qu'il n'a pas joué plus de 2 heures, c'est faisable. はなかなかでしたよ。ouais c'est Vados。あなたいい腕をしていますね。これはおつまみ。même ce rire, le rire quoi, c'est exactement le même qu'elle fait quand elle court dans One Piece, Unlimited Cruz。やるではないか。後でチョコレートパフェをごちそうしてやるぞ。Non mais dans One Piece on retrouve beaucoup de voix de Dragon Ball. Hein. La voix de Luffy c'est la voix de Krillin. Du coup. J'ai reconnu dès la première phrase, tu m'étonnes. C'est pas les mêmes tonalités. Et un détecteur à voix de Robin, de toute façon. Ça veut dire, elle dit pas mille feux. Ça veut dire que tu peux entendre Robin dire Kamehameha.
vu que c'est Vados, je sais pas, peut-être qu'elle prononce le mot Kamehameha à un moment. C'est bon, repartir par là. Ok. Ah, ils sont tous sur moi, ils font chier. Ils sont tous sur moi. Mes alliés ne font rien. Je peux rien faire, moi. Et mes alliés vont se faire défoncer parce qu'ils vont essayer de venir me régénérer. Wouah, le mot violent qui est censuré par Twitch. Sérieusement, Twitch. Je veux bien comprendre que des gens savent pas écrire le mot le V-World et que ils mettent NT à la fin. Mais quand même. Ils sont tous sur moi, les ennemis, je suis mort. J'avais dit que je perdrais à un moment. Les alliés, ils servaient à rien. Ils étaient 5 sur moi, je peux rien faire. Twitch, en fait, leur problème, c'est qu'ils comprennent pas le sens des phrases. Ils voient un mot, ils le suppriment, parce qu'ils sont pas capables de faire un bot qui comprend le sens de la phrase.
Donc si tu conjugues au pluriel le mot en question, ça donne ça. Mais oui, ça reste le mot. La liberté d'expression n'existe pas en Amérique. Je vais voir si je peux pas le faire en online, cette mission. Il faudrait un gouvernement mondial comme dans One Piece. Alors, pas le gouvernement mondial qui manipule tout le monde à sa sauce, et tout ça comme dans One Piece. Mais un gouvernement qui se met d'accord sur des règles mondiales, tout simplement. Attention, ne faites pas dire ce que j'ai pas dit. Pas déjà ça. Dans le monde, il y a trois puissances qui se battent. Con, il y a l'Europe, l'Amérique et tout ce qui est Russie, Chine, tout ça. Mais vu qu'ils sont un peu cons, c'est un peu compliqué de s'entendre. En espérant qu'il y ait des gens qui jouent encore au jeu, normalement oui, parce qu'il y avait plein de gens sur le jeu à un moment. D'ailleurs, pour remercier Toriyama de tout ce qu'il a fait et lui rendre hommage, il y en a plein qui sont venus sur le jeu pour faire un Genkidama. Des gens qui sont intéressés par cette mission là, par contre. Ça, c'est moins sûr. Oui, je sais pas français ça. Ah oui, je vois aucune animosité, aucune reproche dans la phrase de Matt. Ça, je sais que t'es une chienne, mais après... Apprends-moi quelque chose que je ne sais pas sur toi. La plupart des gens qui jouent au jeu, c'est vrai que ce sont des Américains ou des Japonais. Sachant qu'à cette heure-là, à mon avis, ils dorment. Hier à la soirée, mon pote, il avait une grande cage pour un chien chouette. Ce que je vais faire, c'est que je peux reprendre mon Super Saiyan, Super Vegeta.
Parce que là, en fait, je me retenais de faire mon ulti, ce qui m'empêchait de... vaincre mes ennemis rapidement. Il était 3h du matin. Et t'étais bourré, c'est ça? Non, même pas. Hop, voilà. Et on va se remettre du coup. C'était quoi? Truc de l'empereur. Rayon mortel de l'empereur, super Vegeta. Hop. Non, même pas, j'étais moi, quoi. Du coup, c'est pire que ce que je pensais. En une heure, on a fait que 3 niveaux. Encore Janemba, super méchant. Non, mais c'est abusé. On va prendre Gogeta Metamorphose. Allez, je lurk. Bon lurk. 1 heure, 3 niveaux, j'ai 20 niveaux à faire. C'est de l'abus. Mais arrêtez de vous mettre tous sur moi. Pourquoi ils me choisissent tous, moi, dès le début? ただで済むと思うなよ。この俺を脅かすものが存在するとは。 J'ai un Super Saiyan 4 qui est déjà au tiers de sa... Non mais sérieusement? Sérieusement, c'est quoi ce niveau? Oh, yaru de warai ka. Ato de chocolate parfait o gochitou shite yaru zo. Chi, ore to shita koto ga. Il reste Oub. C'est ça. なんて強烈な攻撃なんだ。修行不足だったってことかな。
Ça, c'est dommage, vraiment. Le seul Super Saiyan qu'on n'obtient pas dans ce jeu, c'est le Super Saiyan 4. Quoi. Allez, on tape Robin. あなた、いい腕をしていますね。片付けてやるぜ。これは意外。大臣にこんなことしてただで済むと思うなよ。ザタキパスパート J'avoue en tout cas que le Super Saiyan Blue faisait beaucoup plus de dégâts de Kikua. On peut comparer effectivement.甘く見ていたようだ。さばきを。これほどとは。Bon, une fois que l'arrivée d'un ennemi m'a bloqué, a bloqué son allié plutôt que me bloquer moi dans l'animation. しなければ分からないのか。
が叶わぬというのか。このような結末、ありえん。Hop, c'est la dernière capsule que je peux utiliser pour les régènes. Après, ce sera ma capsule à moi. Mais déjà, j'ai une capsule de plus que tout à l'heure. En espérant que les ennemis ne viennent pas tout de suite tous sur moi. Non, parce que bon, je prends Gogeta 4 pour qu'il soit puissant et au final c'est lui qui se fait rétamer le plus. On va les laisser s'éparpiller un peu. J'ai plus qu'un ennemi sur moi, c'est Vegeta. Ensuite, on va passer à Jiren. Pour l'instant on gère, Ginyu en a 3 à gérer donc ça se comprend qu'il perde de la vie autant. Voilà. Ensuite. C'est fou de devoir en arriver à spammer la même attaque. Ouais. Mais autant. Normalement, des fois, je fais juste... des coups de poing suivis du luti. Va avoir une fin avec Few. Ouais, c'est sûr. Ginyu, tiens bon. Il y avait juste l'aggro de Broly sur lui. Donc. Il fallait que je le finisse avant. À faire ça. Voilà, quoi qu'il arrive après, de toute façon j'ai gagné. Mais bon.
J'ai l'impression que le jeu a bugué un moment. J'ai rechargé la page du jeu. Je trouve que ça bug depuis le début, je m'en suis pas rendu compte. Vous avez eu un épisode d'une heure avec que de la merde. なかなかハードだな。そんな、バカな。C'était chaud. J'ai quand même réussi à voir Z. Et bah si tous les autres niveaux suivants sont pareils, je suis dans la merde.